Bonsoir à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on va voir comment on crée un asset librairie, c'est-à-dire une librairie de pause dans Blender 3. C'est une fonction qui vient d'arriver. Auparavant, on avait le pause librairie ici, qui est vraiment pratique. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très visuel, comme ça, qui nous permet de passer d'une pause à l'autre. Et pour passer par exemple de la pose comme celle-ci à celle-ci, ou les mains fermées aux mains ouvertes, et de sélectionner par exemple une main pour lui fermer simplement cette main-là, ou lui ouvrir uniquement cette main-là en passant par le pose librairie. On peut également faire un passage de l'un vers l'autre doucement et donc ensuite valider notre pose. Voilà, cette librairie c'est vraiment génial. En animation, si vous faites de l'animation, vraiment c'est génial, et c'est très utile aussi si vous avez un rig facial à base de bones, puisque l'asset library fonctionne uniquement avec les bones. Et je vais vous montrer comment on crée un asset library, comment on configure notre caméra pour créer cet asset library. Alors tout d'abord, ici j'utilise Rigify, je vais passer en mode d'atelier. J'espère que l'enregistrement, ok, tout va bien. Donc là j'ai utilisé comme d'habitude, hein, j'utilise Rigify pour faire mes personnages. Si vous n'avez pas, si vous avez envie d'avoir le même personnage que moi, bien je vous encourage à suivre les deux derniers ateliers de 15 minutes chacun qui vous permettent de créer ce petit champignon. Très sympa. Alors comment on règle un asset library? Alors d'abord il faut aller dans la caméra ici de votre le mode rendu ici, et vous mettez, vous voyez dans la petite ici là, l'imprimante, vous mettez la même taille ici pour avoir un carré 1920x2, pour avoir une caméra carrée. J'appuie sur 0, comme ça je vois ma caméra. Vous voyez que c'est un modèle de caméra carré, et ça c'est parfait. Et maintenant on va cliquer sur caméra to view ici pour que lorsque je bouge ma vue, et bien ma caméra suive en même temps. Ok, donc pardon. Donc là on va mettre la caméra ici avec le petit personnage au centre et on va créer la première pose. D'abord il faut savoir que la pose librairie n'est pas visible en mode objet, donc il faut passer en mode pose ici hein, de notre armature pour voir à s'afficher ici, vous voyez le petit onglet animation. On clique sur l'onglet animation, le réduire ou l'agrandir, je vais un petit peu réduire tout ça, et là vous avez un asset librairie qu'on peut créer sur la position 0, comme ça, la pose normale. Alors là je vais sélectionner tous les os et je fais un create pose asset. Alors je vais plutôt le créer pour que ce soit un petit peu plus ludique, on va le créer sur une pose CTRL C, CTRL SHIFT V, sur une pose un peu comme ça, décontractée on va dire. Donc je sélectionne l'ensemble, je mets mon personnage au centre de ma caméra et j'appuie sur Create Pose Asset. Là il vient de me créer la première pose et je vais lui faire une petite rotation de la main. Une petite rotation ici du coude. Voilà. Je vais faire une copie. Je vais copier-coller la position inverse, donc CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, ou alors ici vous avez Flip-Pose. Alors, apparemment ça marche que pour l'asset, donc je fais CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Voilà, là les deux mains en l'air. Et je vais créer uniquement ici pour les os sélectionnés un asset. Alors là, il a les mains levées, si je les sélectionne tout et je clique ici, tac, il a les mains de base, et là, hop, il a les mains levées. Maintenant, je vais faire un détail, et je vous montre donc l'intérêt d'avoir configuré la caméra carrée aussi, c'est pour avoir ce qui rentre bien dans notre bloc, là. Même si, en fait, on aura pu faire une autre forme, mais voilà. Donc là, on a ça qui marche bien. Maintenant, on va faire la main ouverte. Donc, l'autre main est aussi ouverte. Je vais enlever le guide du poignet, là. Contrôleur du poignet, je vais sélectionner juste les doigts et le contrôleur de la
de l'ouverture de la main qui est là, ici. Donc là maintenant, je me dirige sur la main droite comme ça, je la mets au centre pour qu'on la voit bien et je vais créer la 7. Hop. Donc là on a la main ouverte et là maintenant je vais faire la même chose avec la main fermée. Et je vais bouger un petit peu la petite rotation ici de l'ouverture des doigts. Et je vais faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Et également sélectionner les autres. Voilà. Les autres doigts de la main gauche. Et là maintenant, je refais pareil. Donc je me mets bien au centre comme ça. Et je vais créer. Une create pose asset. Ok, alors maintenant comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple. Si vous avez rien sélectionné et que vous appuyez sur une des poses, comme fermer la main par exemple, ou ouvrir la main, pardon, eh bien vous avez tout qui fonctionne. C'est-à-dire que tous les bonds qui ont été modifiés vont interagir. Alors maintenant, si je sélectionne uniquement une main, par exemple comme ici, et j'appuie sur main fermée, ça ferme uniquement ma main gauche ici. Si je fais comme ça et je ferme, ça va fermer ma main droite. Et si maintenant je veux faire un passage doux d'une position à l'autre, je vais vous montrer par exemple avec la position. Si pendant je fais main vers le bas, comme j'ai sélectionné cette partie là, ça va fonctionner uniquement sur le poignet. Et si maintenant je veux que l'épaule aussi prenne cette pose, je dois cliquer après avoir sélectionné l'épaule. Donc maintenant, imaginons que je veux passer maintenant à la position bras ici levé, mais doucement. Donc je fais clic droit et je fais blend pose. Quand je vais à droite, il lève, et quand je vais à gauche, il revient à la pose main en bas. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc à partir de là, vous pouvez vous en servir pour votre animation, par exemple. Je désélectionne tout, main vers le haut, je rentre des clés pour l'ensemble. Alors je peux aussi cliquer sur automatique pour créer les clés automatiques. J'appuie sur, pardon, ou alors sur I et je fais Rot Lock pour entrer des clés. Si maintenant je vais à l'image 20 et je fais bras vers le bas, il me crée tout de suite la clé. Et là, par exemple, main vers le haut. Et là, par exemple, main droite fermée. Et là, par exemple, toutes les mains ouvertes. Je sélectionne cette main, je fais ouvert. Et du coup, il va me faire fermer la main et ouvrir la main. Et là, par exemple, allez, encore un coup, je vais baisser juste un bras. Voilà. Et là, du coup, hop. Et là, à 100, je vais baisser les deux bras. Et voilà. Donc, voilà comment on peut créer rapidement une petite animation avec l'asset librairie. Là, je rajoute une petite pause. Comme ça. Et la pose de base ici. Ok, j'espère que ce petit atelier vous a plu. Donc c'était l'asset librairie. Je trouve que c'est un outil très intéressant et très pratique, surtout si on peut imaginer, ah oui, j'ai déplacé la caméra là, si on peut imaginer un rig facial par exemple, ça peut vraiment nous servir ici d'avoir les poses ici qui s'affichent pour changer les expressions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet atelier court vous a plu. Si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Et je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier pour une petite animation avec notre petit champignon. Allez, au revoir tout le monde.